Bon samedi à tous et cordial bienvenue à la conférence mensuelle du Père Boulade intitulée La montée vers Pâques comme antidestin. Je me présente, mon nom est Rami Ayoub, votre animateur. Notre rencontre est enregistrée et diffusée sur YouTube en direct et se déroulera en trois parties pour une durée totale d'1 heure et demie. 45 minutes pour la conférence du Père Boulade, 30 minutes pour la période de questions. Et nous conclurons par les salutations finales. Voici quelques annonces. Je vous invite à visiter le site web des Amis du Père Boulade pour les dernières nouvelles. Vous y trouverez les infolettres ainsi que les informations concernant la vente de bijoux en pierres semi-précieuses faits à la main par les enfants sans abri. Les recettes iront pour financer les activités de leur centre. Nous allons partager avec vous le lien du site dans la fenêtre de conversation de chat. Deux groupes de partage se réunissent en ligne à une fréquence mensuelle autour de divers sujets et homilies du Père Boulade. Si vous aimeriez en faire partie, je vous invite à nous écrire sur henriboulade.online@gmail.com. Le Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient, le RCMO, vous invite au colloque 2023 qui aura lieu le samedi 29 avril de 14 h à 18 h au centre Melkite à Montréal. Pour plus d'informations, veuillez contacter rcmo.info@gmail.com. Sans plus tarder, j'aimerais donc donner la parole au Père Boulade. Merci tout le monde pour votre participation et bonne conférence. Oui, Père Boulade, c'est à vous. Oui, bonjour, bonsoir, bonne nuit à tous ceux qui m'entendent. Content de vous retrouver pour célébrer ensemble cette montée vers Pâques. Montée vers Pâques. Dans l'Évangile, on parle d'une montée vers Jérusalem. Jérusalem est un symbole. Le symbole de la pire des choses et de la plus belle et la plus belle des annonces. Pâques. La pire des choses, c'est quoi? C'est la croix. Vous allez me dire, c'est la pire ou la meilleure? C'est le thème même d'aujourd'hui. Peut-on transformer ce qu'il y a de pire, de plus atroce, de plus horrible, qui fut la passion de Jésus ou la nôtre, en une métamorphose, en une apothéose? Et c'est pour ça que si vous voulez rassembler ou résumer la conférence d'aujourd'hui, la croix, qui est la pire des choses, est devenue en mathématiques le signe plus. Plus, c'est la croix. La croix qui est le symbole de l'agonie et de la mort devient, grâce à cet événement que nous célébrons demain, le signe plus par excellence, le symbole de la vie et de la résurrection. Nous avons là un secret. Comment le Christ a-t-il transformé
sa mort en vie et la nuit en lumière. En assumant sa mort, dans le générique que vous venez de voir défiler sur l'écran, je parle du Christ qui a assumé sa mort. Je voudrais creuser avec vous cette idée d'assumer. Assumer, c'est quoi? Assumer, c'est accepter? Oui, mais plus que cela. Assumer, c'est vouloir. Oui, d'une certaine manière, mais c'est autrement que cela. Assumer, c'est subir. Non, ce n'est pas subir. Assumer, c'est non seulement accepter, mais intégrer, mais avaler, mais digérer, mais assimiler. Assumer, ça veut dire je ne suis pas devant un monstre qui me tombe dessus, mais dans une attitude d'acceptation. Je prends cette réalité qui m'effraie, qui m'épouvante, et je la fais mienne. En d'autres termes, j'embrasse et j'étreins ce qui m'est le plus contraire, le plus horrible. Je prends l'exemple que vous avez tous vécu d'une certaine manière avec la mort d'un être cher, époux, épouse, enfant, ami, parent. Il est mort. Elle est morte. Peux-tu faire qu'elle ne soit pas morte? Non. La mort, c'est un fait brut et brutal qui a mis fin à une vie, à une amitié, à un amour, qui tout à coup s'interrompt. Le fil se casse. Irréparable, incontournable. Comment assumer ça? Comment assumer la mort de cet être cher, cher, qui faisait avec moi une seule chair? Comment avaler cette réalité que je ne puis supprimer et qui pèse sur moi comme un destin? Dans mon livre, qui malheureusement n'est plus réimprimé, L'homme et le mystère du temps, j'ai un chapitre intitulé « La rédemption du temps ». Le temps est une réalité sur laquelle je n'ai pas prise. Il s'écoule hier, aujourd'hui et demain, ça coule, ça s'écoule et ça m'échappe. Et alors là, quand j'ai vécu quelque chose d'atroce,
quand j'ai perdu un être infiniment cher. Quel recours? C'est là que le mot assumer vient. J'assume, ça veut dire il est mort, elle est morte. C'est horrible, c'est terrible, c'est épouvantable, c'est le vide, c'est la nuit, c'est le néant, c'est l'absurde. Eh bien, malgré cela, je pense à cet événement qui m'échappe et je l'assume. Je dis oui. Oui à ce qui m'est le plus contraire. Comment puis-je dire oui à ce devant lequel je me cabre, je me braque, je me révolte, je me refuse? Ça, c'est assumer. C'est la chose la plus difficile au monde et c'est la plus libératrice au monde. À ce moment-là, je transforme mon destin, cet événement qui m'écrase et me pèse et m'anéantit en choix. Choix? Oui. J'accepte. J'assume. J'intègre. J'accepte. J'assume. J'intègre. Et là, je voudrais vous parler justement de cette passion de Jésus. Qui a commencé à Gethsémani. C'est à Gethsémani que Jésus est mort sur la croix. Vous allez me dire, mais non, c'est après, c'est le jour suivant. C'est le vendredi saint qu'il est mort. C'est pas le jeudi saint, c'est pas le jeudi soir, quand il était avec ses trois disciples, incapables de veiller avec lui. C'est le lendemain, vendredi, qu'il est mort, oui. Il est mort dans sa chair, le vendredi. Mais le jeudi soir, il est mort dans sa liberté. Ça veut dire que il a précédé sa mort. Assumer, c'est accepter un événement soit passé, soit à venir, en l'accueillant en disant oui, oui. J'assume, j'accepte. Et par là, l'événement est transfiguré. Une espèce d'alchimie, si vous voulez. Et cette mort que je vis, cette agonie que je subis, débouche dans la lumière, débouche dans la liberté, débouche dans la vie. Mes chers amis, la mort, elle est là, ou elle sera là, incontournable. Aussi incontournable que la vie qui est en moi, elle vient à la mort. L'homme est jeté dans le monde comme un fait brutal. Personne ne nous a consultés pour nous mettre au monde, même pas nos parents. Nous sommes là jetés. Alors, ou bien le fait de vivre et d'être au monde est un destin, un poids dont
certains veulent se débarrasser. Ou bien je dis oui à la vie. Je me souviens d'une personne très proche de moi. Un soir, nous étions ensemble et je posais la question en disant « Qui d'entre vous aurait aimé ne jamais exister ?» Une des personnes présentes a dit « Moi ». Comment ? Tu souhaites n'avoir jamais existé ? Elle dit oui. Et donc, la première étape, avant d'accepter sa mort, c'est d'accepter sa vie. J'accepte ma vie, j'assume ma vie, j'aime ma vie, je l'étreins. Vous allez me dire, mais c'est normal. C'est pas normal pour tout le monde. Et c'est là que l'existentialisme sartrien nous ouvre les yeux et nous déconcerte, parce que personnellement, j'aime la vie passionnément. Je ne peux pas imaginer ne pas aimer la vie. Eh bien, il y a des gens qui, pour telle ou telle raison, la rejettent, la refusent, la haïssent d'une certaine manière. Et donc, première étape, c'est d'aimer la vie, d'accepter la vie et d'assumer sa vie. La deuxième étape, si nous prenons le chemin suivi par le Christ, la première étape est décrite dans l'Écriture sainte, c'est celle du Fils de Dieu disant à son Père, « Me voici, Père, je viens faire ta volonté. » En entrant dans le monde, nous dit le texte, en entrant dans le monde, il prononce ces mots, « Me voici pour faire ta volonté. » Si vous voulez, c'est une signature en blanc, c'est une page blanche. Sa vie est là, à partir de Bethléem, ce petit bébé qui s'abandonne, il entre dans cette aventure qui sera sa vie, sa mort. Et il l'accepte à l'avance. C'est la signature en blanc de quelqu'un qui dit oui. Oui, me voici. Et en disant ce me voici, ce oui initial, elle accepte, la personne accepte toutes les conséquences qui viendront. Et c'est ainsi que le Christ sa vie s'est déroulée dans un oui continuel, assumé, réassumé, jusqu'au moment où, le moment fatidique, le moment fatal, là où tout va se consommer. Cette nuit du Jeudi Saint, on peut l'appeler la mort avant la mort. Ça veut dire quoi, la mort avant la mort? Lorsque le Christ se réunit avec ses disciples dans la fameuse salle du Cénacle pour cette Eucharistie qu'il institue ce soir-là, ce qu'il met sur la table, c'est sa vie et sa mort. Ce pain et ce vin sont les symboles de sa vie et de sa mort, de son corps et de son âme et de son être tout entier. Il les jette là. Mangez,
prenez ce, voilà ce corps livré pour vous. En d'autres termes, dans l'Eucharistie, dans la sainte scène du jeudi soir, le Christ précède sa mort. Il prend son corps qui va être immolé et crucifié et il le met sur la table en disant « Prenez, voilà mon corps livré pour vous. » La liberté consiste à transformer notre mort en un acte volontaire. Ça, c'est l'homme. L'animal ne peut pas le faire. Il ne peut pas précéder sa mort. Il a subi. C'est un animal. Ce n'est pas de sa faute. Mais l'homme peut, dans un acte libre, dire « Ma mort vient, je l'assume. » Et le Christ, justement, dans l'Eucharistie, sous la forme du pain et du vin, dit « La mort qui viendra demain, demain, je la vis avec vous comme une offrande et non pas comme un destin. » Ma mort qui viendra demain, lorsqu'on me liera les pieds et les mains, lorsqu'on me clouera sur ce bois de la croix, où je ne pourrai plus bouger, n'est plus un destin pour moi, c'est un choix. Le Christ, le soir du jeudi saint, dans l'Eucharistie, a fait de son dessein un choix libre. Toutes les fois que nous sommes capables d'assumer une réalité qui vient et qui est incontournable, nous faisons de même. Nous transformons le destin, la nécessité, en un choix, en une option. C'est ce qui s'appelle assumer. J'assume. On peut assumer après, on peut assumer avant. Assumer après, c'est ce que j'ai dit au début de notre rencontre. Telle personne est morte, j'assume. Mais demain, je dois vivre une réalité horrible. Ou bien je la vis en ce moment. Alors, ou bien je la subis, elle m'écrase. Ou bien je la choisis et je l'assume. Assumer, rappelez-vous ce mot, ce verbe, assumer. C'est un peu comme une nourriture que je prends, je l'absorbe. Tant qu'elle est absorbée, elle n'est pas assumée. Il faut qu'elle entre, il faut que je la digère, il faut que je l'assimile, il faut qu'elle entre dans ma chair et que je l'intègre. À ce moment-là, si horrible que soit cette réalité, elle me transforme. Elle est le commencement d'une renaissance, d'une résurrection. C'est horrible. Mais c'est libérateur. Et pour dramatiser cet événement de la scène au soir du jeudi saint dans le Cénacle, juste après,
juste après, Jésus descend avec ses disciples. Il en prend trois, les plus proches, et il leur dit, veillez avec moi. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Vous qui m'écoutez, vous avez certainement vécu cela. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il y a des moments dans notre vie où on vit la mort tout en étant encore vivant. Triste jusqu'à la mort. La passion du Christ, d'une certaine manière, elle se passe dans le cœur de Jésus, dans cette soirée, au jardin des Oliviers. J'ai été là-bas il y a 2-3 ans et où j'ai moi-même vécu cette réalité. Et il arrive qu'elle reprenne, qu'elle se reproduise et qu'on se sente impuissant devant ce fantôme, ce spectre, cette nuit, cette ténèbre. Jésus a vécu cela jusqu'à ce que la souffrance morale et intérieure qu'il vivait lui a arraché une sueur de sang. Une sueur de sang, ça veut dire que le corps a lui-même participé à cette agonie. L'agonie, pour moi, est pire que la croix. L'agonie de Jésus à Gethsémani est pire que la croix. Pour ceux qui ont vu le film de Mel Gibson sur la passion du Christ, il met ça comme une espèce de drame qui frappe les yeux, l'imagination, le sang, les crachats, la couronne d'épines. Tout ça, c'est l'extérieur. Mais l'intérieur, c'était Gethsémani. Gethsémani, tout ça, c'était pas sous forme d'un sang versé, d'une chair flagellée. C'était une âme broyée. Je dis ça parce que il y a des moments où on se sent broyé, anéanti. Mais le Christ a voulu que ça ne soit pas une fatalité. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. En d'autres termes, il refuse de subir, mais il assume. Et nous ne comprenons pas, comme les apôtres, quand il leur disait « Je monte à Jérusalem, je monte à Jérusalem ». Il lui disait « Mais pas du tout, tu ne vas pas monter à Jérusalem, ils vont te massacrer, ils vont te tuer, ils vont te crucifier ». Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et massacres ceux qui te sont envoyés. Jérusalem est un symbole. Le symbole d'un peuple, d'une nation, d'une humanité qui refuse l'amour. Et il est obligé d'en mourir lui-même. Vous n'aurez pas compris, comme disait John Littleton dans son fameux cantique, Gethsémani, que j'aime énormément. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Comprenez?
vous qui m'écoutez, mon heure, elle est venue pour certains. Elle viendra, ou elle est là, peut-être. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure. Il faut, en latin, portet, ce il faut que le Christ souffre. Et les apôtres lui disent, mais pourquoi faut-il qu'il souffre? Suffit, ne répète plus ces histoires. Ce il faut, cette nécessité, n'est pas extérieure. Ou plutôt, au début, elle est d'une certaine manière extérieure. Il a beau l'avoir assumé dès le début en disant, voici, Père, je viens dans ce monde. Il a beau l'avoir assumé. Quand le moment arrive, le moment fatidique arrive, à ce moment-là, on n'est plus dans l'offrande de celui qui est une fleur au chapeau, à la bouche, une chanson, s'offre dans la fougue de sa jeunesse. Non, c'est lorsque le calice est là qu'il faut le boire. Dans la vie religieuse, la consécration, il y a le moment où l'on se donne à Dieu à 20 ans, à 30 ans. Et puis ensuite, il y a toute la vie pour monnayer cela, monnayer. Quand vient le moment, alors c'est là qu'on est dans le sérieux. Et c'est là que le Christ a pris ce calice en disant, s'il peut passer sans que je le boive, s'il te plaît, je ne peux pas. Et il a bu quand même, Et chacun de nous, lorsque vient la souffrance atroce, la souffrance ultime, le dépouillement, la dépossession. À ce moment-là, ne nous étonnons pas si nous nous refusons, si nous nous cabrons. Car lui le premier, lui Jésus, a vécu cette réaction viscérale contre la mort. Vous allez me dire, c'était la mort qu'il devait avaler dans ce calice. Pire que la mort. Y a-t-il pire que la mort? Oui. Oui. Il y a pire que la mort. La mort, c'est la mort du corps. Et il y a la mort de l'ego. Il y a la mort du soi. Il y a la mort du je. Mourir dans son corps n'est rien. C'est mourir dans son âme qui vous arrache. Qui vous arrache l'âme, l'âme elle-même. La passion du Christ. Dans ce corps nu, suspendu à la croix, était tout à l'intérieur. Qu'est-ce qui a le plus fait souffrir le Christ dans sa passion? Les coups de fouet? Non. La couronne d'épines? Oui, d'une certaine manière, parce que c'était une parodie. Mais pire que ça, qu'est-ce qui t'a fait souffrir, Jésus, le plus dans ta passion? L'échec.
d'échec. Il a lamentablement échoué dans sa mission. Il est venu pour ça. Il est venu pour sauver son peuple, rassembler les enfants des hommes dispersés. Et voilà que ce peuple pour lequel il est venu le rejette, le refuse. Non pas Barabbas, mais lui, Jésus de Nazareth. Nous voulons le crucifier, le tuer. Alors, c'est l'échec pour un être, pour un homme, mes chers amis. Pire que la mort, pire que la mort, c'est l'échec. Échouer dans ses missions. Et c'est cela que le Christ a vécu. Non pas lui, mais Barabbas. Non pas lui, mais Barabbas. Mais mon peuple, qu'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Comme nous le disons dans les trois peurs du Vendredi Saint. Réponds-moi! Et ceux d'entre nous qui vivent ça, ou qui ont vécu cela, me comprennent. La trahison. Ça a d'abord été Pierre, puis Judas. Ou plutôt d'abord Judas, puis Pierre. Trahison, reniement. Les plus proches, et l'Évangile souligne, Judas, un des douze. Et Pierre, le chef des douze. Oh Pierre, tu m'as fait tant souffrir quand tu as dit, je ne connais pas cet homme. Tu as dit de moi que tu ne connaissais pas cet homme. C'était moi, cet homme. Moi, Pierre, et Judas. On ne connaît pas son sort. Personne ne peut dire où a-t-il été. Non, on ne sait pas. Mais tout ça, c'était des lames de coutelas qui traversaient la chair et le cœur de Jésus. C'est là que justement que cette révélation de ce qu'on appelle le Sacré-Cœur, faite à Sainte Marguerite Marie au XVIIe siècle, révèle l'arrière-fond de cette passion mise en scène par Mel Gibson dans son film, mais sans que cela puisse révéler la profondeur de la blessure et l'atrocité de la douleur. Il a tout perdu. Et c'est là, justement, qu'en assumant cela, assumer, il a dit oui. Il a dit oui au début de sa vie. Il a dit oui à Gethsemane, mais après quoi? Et puis, dans la croix, il dit son oui ultime. Père, je m'abandonne à toi.
reçoit la larve. Alors, c'est ça la montée vers Pâques. Et avec Pâques, tout ce drame que nous venons de décrire révèle l'autre face des choses. Lorsque le Christ plonge dans l'abîme de la mort et du Sheol et de l'Hadès, lorsque c'est à ce moment-là que la vie jaillit, la vie éclate, c'est lorsque le Christ a vécu la profondeur de la détresse et l'horreur de l'agonie que la vie a basculé. Et elle a basculé non seulement pour lui, il est ressuscité très bien comme individu, oui, mais c'est l'humanité, mais c'est le cosmos tout entier qui bascule. À ce moment-là, le vendredi saint est absorbé par la fête de Pâques. On a l'impression qu'à Pâques, Jésus sort du tombeau un peu comme un somnambule en disant « pas possible ». Oh, oh, que j'ai souffert. Non, il oublie sa souffrance. Et la vie jaillit, et la vie éclate, et la vie se répand, et la vie envahit tout. Et c'est le matin de Pâques. L'univers entier a basculé. D'une certaine manière, tous ces signes extérieurs, la terre trembla, les rochers se fendirent, le tombeau s'ouvrirent, le ciel se couvrit, tout ça c'est l'extérieur de l'intérieur. La vie sort de la mort, triomphante, dans une victoire définitive. Définitive! Qui est la grande espérance chrétienne? Et que nous voulons annoncer au monde, un monde qui vit dans le marasme, le pessimisme, la sinistrose. Nous annonçons le Christ est vivant, comme dans nos églises. Le jour de Pâques, et bien avant Pâques, dès le vendredi saint, dans nos églises byzantines, dont je fais partie, nous crions « Christos Anesti, El Messia Chom ». Le Christ est ressuscité et il a écrasé la mort par sa mort. Écrasé la mort par sa mort. Et donc, tout cet aspect lugubre, macabre, tragique que nous avons décrit est définitivement supprimé, englouti. Pourquoi? Parce que le Christ, en assumant la mort dans sa chair et dans son être profond, il l'a démasqué. Il l'a démasqué, l'a transfiguré. Et alors, à ce moment-là, la mort n'est plus la mort. C'est une métamorphose. C'est la chenille qui devient papillon. C'est la ténèbre qui devient lumière. C'est la nuit qui devient matin.
c'est l'espérance. L'espérance de Pâques, dans laquelle nous entrons et qui est la grande nouvelle dans un monde désespéré, dans notre monde désespéré. Mes chers amis, si nous avons vécu l'agonie, si nous la vivons en ce moment, et je sais de quoi je parle, c'est que c'est le chemin. La montée vers Pâques est une montée vers la lumière et non pas une plongée dans la ténèbre. La croix ne finit pas dans un trou. La croix ne finit pas dans une tombe. Elle finit dans le jaillissement du matin de Pâques. La grande fête, la fête des fêtes. Mais encore faut-il que nous entrions dans ce même mouvement, en sachant qu'il aboutit à la vie et à la lumière. Il s'agit d'une montée vers Jérusalem, d'une montée. Eh bien, mes chers amis, je vous invite à cette nuit pascale que nous vivons bientôt, à prendre en main tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, notre vie, notre souffrance, notre détresse. Notre mort elle-même, et dire oui, 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 je mets ça sur la table, oui, je prends le calice en main, j'assume et je bois, parce qu'un autre m'a précédé. Et il me dit, j'ai le premier pris ce chemin, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Car le chemin que je te propose traverse les ténèbres, mais mène à la lumière. Le chemin que je te propose traverse les ténèbres et va vers la lumière. Tout ce que j'ai dans le cœur, de lourd, de dur, de difficile, je l'accepte, je l'assume et je l'offre. Donne-moi de croire et d'espérer, Seigneur, pour déboucher dans la grande espérance du matin de Pâques. Merci. Merci, Père Boulat. Mesdames et messieurs, c'est maintenant le temps des questions. Je vous invite d'être bref et concis afin de permettre aux autres participants qui le désirent de prendre la parole tout en respectant le temps alloué à cette conférence. Pour ceux qui aimeraient prendre la parole, je vous invite à cliquer sur l'icône de la main levée en bas de votre écran. Finalement, je vous prie de bien vouloir garder les salutations à la toute fin de la conférence. Merci.
Alors, il n'y a pas de main levée, Père Boulade. Je pense que vous avez été très clair dans votre conférence. C'est le coup de bambou sur la tête des participants. Oui, c'est un peu tragique tout ce que j'ai dit, mais on veut éliminer de l'existence le tragique. Non, il est inhérent à l'existence. Antoine, à toi la parole. Oui, Antoine, allez-y, il faut activer votre micro. Allez-y. Oui, bonjour mon père. Oui, bonjour Antoine. Je n'aime pas trop quand vous dites que Jésus a échoué, que c'était un échec, parce qu'au contraire, s'il n'était pas mort sur la croix, on ne serait pas là en train de parler de lui aujourd'hui. Alors, je pense qu'il est venu pour mourir et c'est ça ce qu'il a fait. Oui, mais humainement, c'est un échec. Enfin, c'est-à-dire que le triomphe et l'échec se confondent. C'est par son échec humain qu'il a triomphé. Mais tout le monde, nous proclamons sa résurrection, sa réussite, la rédemption, tout ça. Quelquefois, on ne se rend pas compte de l'amertume que pouvait représenter pour lui. Lui, il est venu pour une mission et voir que jusqu'à la fin, cette mission est refusée, rejetée, et en sa personne, il a vécu ça comme... Car il était homme avant d'être Dieu, ou plutôt avant. Tout en étant Dieu, il était homme. Et c'est cette humanité que nous avons à comprendre que la passion de Jésus n'a pas été une partie de plaisir. Et quelquefois, nous-mêmes, dans notre vie, on sait que ce que nous allons souffrir va aboutir dans la lumière et la vie, mais ça n'empêche pas qu'on le souffre dans le tréfonds de soi-même. Je ne sais pas, tu as raison, et en même temps, on a tendance un petit peu à minimiser l'aspect douloureux de la passion de Jésus. Oui, Antoine. Oui, c'est l'injustice totale contre lui parce qu'il était innocent. Il était. Mais c'est ce que Saint Paul dit, que ce que nos mesures comme hommes dans ce monde, c'est la folie pour Dieu et vice versa. Donc c'est ça. Là. Oui. Je m'imagine pas que si Jésus n'était pas mort sur la croix, hein, ça aurait été un vrai échec. Voilà, c'est ça, exactement. Oui. Exactement. Bon, merci mon père. Oui, merci mon père. Merci Antoine. Sylvie, à vous la parole. Je vais vous demander d'activer votre micro, s'il vous plaît. Sylvie, bonjour. 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 Moi, ça se fait très bref. C'est un témoignage. J'ai perdu un fils qui avait 12 ans. Je suis passée par cette situation-là. Et c'est vrai qu'au bout, il y a la lumière. Et la vie, enfin voilà. Donc c'est à ce moment-là que je me suis tournée vers Jésus, moi qui n'étais pas croyante. Voilà, je vais peut-être pas aller plus loin, mais c'est pour confirmer ce que vous avez dit, ce passage de souffrance, cet abîme, la lumière au bout et la vie qui jaillit. Voilà, c'est simplement un témoignage. Merci Sylvie. Merci. Je suis une ressuscitée. Exactement. Merci Sylvie. Père Boulade, nous avons reçu une question dans le chat. Vous avez parlé un peu de Jésus qui est Dieu et homme en même temps. Oui. Donc, la question est la suivante. Quand Jésus sur la croix dit « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Est-ce que c'est une expression de cette humanité dont vous faites référence? Il y a deux choses
ou plutôt deux interprétations. Les gestes disent, il a récité le psaume, je ne me rappelle plus le numéro du psaume, le psaume qui commence par « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et qu'il a, dit à haute voix le premier verset du psaume et il a terminé à voix basse dans son cœur. Mais l'autre interprétation, qui n'est pas nécessairement opposée à la première, mais c'est que dans son humanité, le Christ a vécu la détresse suprême qui est celle d'être abandonné du Père. Sa raison de vivre à Jésus, c'était le Père. Il était sa vie, il était tout pour lui. Et que se sentir abandonné du Père à ce moment-là, ça a été la souffrance suprême, suprême. C'était l'arrachement. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'il a souffert en tant qu'homme ou en tant que Dieu ? Une très bonne question. Je vous laisse réfléchir à ça. Tout ce qu'il avait, ma réponse est la suivante. Tout ce qu'il a vécu en tant qu'homme, il l'a vécu en tant que Dieu. Humanité et divinité ne sont pas deux lignes parallèles chez Jésus, comme quoi il pourrait vivre une expérience humaine qui ne soit pas identiquement une expérience divine. Les deux ne font qu'un en Jésus. Tout ce qu'il a vécu humainement, il a vécu divinement. Et alors, on dira, ben alors Dieu est mort. Sur la croix, Dieu est mort. Dieu est mort. Il a vécu la mort. Il a vécu dans son humanité, mais ne faisant qu'elle avec une avec lui. On ne peut pas dire ça, il a vécu en tant qu'homme, et par conséquent, sa divinité, elle était quelque part en train de planer dans le ciel. Non. Non. D'ailleurs, dans la messe copte, pour ceux qui sont familiers de la messe copte, avant la communion, on dit « je crois, je crois, je crois » et je proclame jusqu'au dernier souffle que son humanité ne fait qu'un avec sa divinité. Amin, 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 oumen, 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 wa atarifu l'annafas il-akhir, anna lahudu lam yufarq nasutu lahzatan wahida, wa la tarfata'in. Je m'excuse pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Mais cette proclamation, cet acte de foi avant la communion signifie que tout ce que Jésus a vécu en tant qu'homme, il a vécu en tant que Dieu. Et d'une certaine manière, on peut affirmer que Dieu, que le Christ plutôt, a vécu en l'abandon du Père avec tout ce que cela suppose d'horreur. Et donc, voilà, je pense, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est à creuser. Je vous invite à réfléchir à ça, à prier cela, parce que c'est là que la phrase de Jésus à Sainte Angèle de Foligno, une des saintes amoureuses du cœur de Jésus, à laquelle celui-ci disait « c'est pas pour rire que je t'ai aimé ». C'est pas pour rire que je t'ai aimé. Ça veut dire, c'est ça. Bon, je m'arrête là. Yasmine, bonjour Yasmine. Yasmine, vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît.
Ouais. Vous m'entendez? Oui, très bien. Entendez? Ah oui, ok. Ouais. Merci beaucoup, Père Bolat, pour votre exposé. Moi, j'avais une question. Vous avez beaucoup parlé sur assumer la souffrance, l'agonie. Qu'est-ce que vous pensez alors des gens qui demandent l'euthanasie? Ils ne veulent pas assumer cette dernière souffrance, cette agonie. Est-ce qu'ils ont moins de mérite pour ça? Bon. Là, on est dans un domaine tellement personnel, il est difficile de répondre pour quelqu'un d'autre. Mais je vais vous donner deux réflexions. La première, c'est que nul ne peut se mettre à la place d'un agonisant qui souffre horriblement et qui demande d'être délivré de cette souffrance. On a beau rassembler des comités d'éthique et proclamer des principes. L'Église a beau dire « Tu n'as pas le droit de te donner la mort. La mort, ta vie et ta mort appartiennent à Dieu. » Oui, c'est vrai. Mais peut-on parler au nom de quelqu'un qui souffre atrocement, horriblement? Ai-je le droit, moi, de décider ce qui est permis et pas permis? Oui, vous pouvez écouter de nouveau cette conférence sur l'euthanasie. Dieu est le seul maître de la vie et de la mort, c'est exact. Mais moi, je me trouve devant des situations où je me refuse, moi en tant qu'Henri Boulad, je me refuse de juger quelqu'un qui dirait « Stop ! Stop ! J'en peux plus !» Je pense au père Pruvot. Le père Victor Pruvot était un homme extraordinaire, recteur du collège où je me trouve en ce moment. Et il souffrait atrocement. Et à un moment donné, il a dit aux infirmiers, « Ôtez tous les tubes et tous les appareils qui me prolongent mon agonie. » C'est ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Donc, l'Église dit, vous avez tous les droits de ne pas pratiquer l'acharnement thérapeutique, laissez la mort faire son action. Et j'ai une personne très proche de moi qui se sait condamnée et qui a demandé qu'on ne pratique pas sur elle l'acharnement thérapeutique, qu'on la laisse mourir. Oui, qu'on soulage ses peines. Morphine, tranquillisant, tout ce qu'on voudra, oui. Mais donc l'Église n'impose pas de vouloir maintenir à tout prix un malade qui est de toute façon condamné par la médecine. Et c'est ce que le Père Prévost a fait. Et c'est ce que l'Église autorise de faire. Et donc, il ne faut pas vouloir, comment dire, absolument faire vivre quelqu'un qui est condamné à mourir. Je pense à tel cas, il y a quelques années à Alexandrie, il y avait une dame qui perdait du sang. Ses enfants, pour la faire vivre quelques journées de plus, ont fait tous les hôpitaux d'Alexandrie et ont acheté tout le sang qui était dans les frigos et les banques de sang pour prolonger de quelques jours la vie de cette maman. Mais ce sang a été pris à des jeunes, à des nouveau-nés, à des gens en pleine santé qui auraient pu retrouver un nouvel élan, alors que là, on lui injectait du sang, elle le perdait aussitôt. C'est inadmissible. À d'autres termes, il y a toute une réflexion. Je ne prétends pas mettre un terme à cette réflexion. Je vous invite à y réfléchir, réécouter ce que je disais sur l'euthanasie et ce que disait le docteur, je ne me rappelle plus son nom, qui était avec moi, qui a témoigné lui aussi de façon très intelligente
un des médecins de Montréal. Ok, merci. Merci Yasmine, vous avez connu ça vous aussi. Hein? Merci Yasmine. Salim, c'est à toi. Alors, je m'excuse. Bonjour, oui. Cher père. Bonjour, Salim. Je lisais votre livre intitulé « L'énergie créatrice de la souffrance » en arabe. Et oui. Vous disiez dans un chapitre que « échouer, c'est gagner ». Et vous avez dit maintenant que Jésus a échoué. Ma question, c'est comment peut-on expérimenter ce gain que nous avons obtenu par l'échec de Jésus? Qu'est-ce que ce gain par rapport à ceux qui souffrent maintenant? La certitude que ma souffrance n'est pas perdue. La certitude que ma souffrance construit quelque part quelque chose. La certitude que cette souffrance ne va pas dans le sable absorbé par la terre, mais que elle est créatrice. Alors, bon, vous allez me dire, mais je ne vois pas le résultat positif. Il n'est pas nécessaire de le voir. Je le crois. Je le crois pourquoi? Je le crois parce que toute la nature entière, les forêts, les océans, me crient que la vie et la mort, c'est une chose. La mort renouvelle la vie. Sans la mort, il n'y a plus de vie. D'une certaine manière, la nature entière est une machine à broyer la vie pour la faire jaillir à un autre niveau, à un autre niveau. Je perds une vie végétale, je perds une vie biologique et je trouve une vie humaine, spirituelle. Si vous voulez, nous sommes dans une espèce de machine qui permet à la vie de quitter son niveau physico-biologique pour s'élever à un autre niveau. Et c'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, vous étiez beaucoup clair. Merci. Merci, Salim. Merci, Salim. Christiane, merci. C'est à vous, allez-y. Oui, bonjour, mon cher Père Boulard. On vous retrouve. Oui, bonjour. Vous nous avez aidé vraiment à apprendre à mourir à soi-même. Moi, je me sens loin de là, je me sens trop près de mon ego, mais je supplie le Seigneur à chaque jour d'offrir ma vie avec toutes ces contrariétés, toutes ces souffrances, pour suivre Jésus. Et puis, je trouve que je suis dans votre pensée, je suis dans votre lignée. Je trouve que depuis que je vous connais dans vos vidéos, vous nous faites tellement du bien parce qu'on n'a plus peur de la mort. C'est sûr qu'on va être angoissé, mais on va vivre ce que Jésus a vécu. Mais avec Jésus, puis la Vierge Marie qui nous accompagne, puis Saint Joseph, le patron de la bonne mort, parce que on ne devrait pas craindre. Et puis, comme vous dites, la pire mort, c'est la mort de l'âme. Hein. Il faut même à l'intérieur de soi, hein, la mort à soi-même. C'est ça qu'il faut commencer à vivre avant. Hein. Et puis, c'est pas facile. Ça prend une grâce spéciale, mais il faut la demander à chaque instant, à chaque jour, demander la grâce d'une bonne et sainte mort. Hein. Oui. Il faut l'accepter, l'assumer, l'offrir. Le Christ me dit, suis-moi. Le chemin que je te propose à travers les ténèbres et va vers la lumière. C'est vous qui avez dit ça tantôt. Je ne veux pas trop prendre la parole, mon père. Je voulais rendre grâce à Dieu pour vous avoir placé sur notre chemin. Puis c'est une grande grâce qu'on a de vous entendre ce matin.
c'est tellement cohérent, c'est tellement rassurant, enveloppant d'amour, de tendresse, de la part du bon Dieu, du Père. Si Jésus a accepté, puis qu'il y a eu même une goutte de sang qui est sortie de son front pour nous montrer jusqu'à quel point il va souffrir, bien nous aussi, on est capable de vivre avec amour. Puis quand ce sera le temps de partir, pas d'acharnement thérapeutique. Moi, je suis d'accord avec vous. Laissez-nous partir. Donnez-nous, oui, c'est vrai, les médicaments pour nous soulager, mais laissez-nous partir. Puis moi, je veux donner mon sang pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. S'il faut, je veux avoir les bras ouverts puis dire, si je peux sauver la vie d'un enfant, oui, puis même je veux donner mes reins, puis si je meurs, puis j'ai encore des... comment on dit ça, donc les... J'ai encore, là, soit des muscles, des os, ou des reins, le foie à donner, je vais le donner. Comprenez-vous, si je meurs d'un accident, puis il voit que j'ai encore quelque chose de bon à donner, je vais le donner par amour, c'est ça, parce que on vit que pour l'amour, mon Père, et puis par contre, je tombe, chaque jour, je tombe à côté de l'amour, je tombe pas, et à chaque jour, on tombe et on se relève, puis on dit pardon, puis on essaie d'aimer encore plus fort. Puis c'est l'amour qui nous conduit à la vie, à la lumière. On traverse la mort parce que notre cœur est, j'allais dire, protégé, enveloppé par l'amour du Christ. Exactement. Mais on vous embrasse avec... Oui, on vous embrasse avec comme un cœur d'enfant. Merci beaucoup, Christiane. Merci, mon Père. Union de prière. On prie pour vous. Union merci. De prière. Merci, Christiane. Père Boulat, j'ai reçu une petite question. On vous demande de commenter cette affirmation de Pascal qui dit « Le Christ est en agonie jusqu'à la fin des temps. » Oh, très beau, ça. Eh bien, Christophe, tu peux attendre quelques instants que je réponde à cette question. Ça va? Bon. Le Christ est en agonie jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est dans le fameux texte du mémorial de Pascal. Ça veut dire quoi? Je prends la phrase de Pascal et je la transforme. Le Christ n'est pas en agonie jusqu'à la fin des temps. Le Christ est en agonie depuis le commencement des temps jusqu'à la fin des temps. L'agonie de l'homme, l'agonie de l'humanité, l'agonie de la nature est la sienne. Ça veut dire que dans son agonie, le Christ n'a pas vécu uniquement son agonie, à lui, Jésus de Nazareth. Il était au cœur de l'entonnoir. Vous voyez le geste que je fais. Il était au cœur de l'entonnoir, dans lequel s'engouffraient toutes les tragédies, toutes les agonies du monde, depuis Abel le juste qui a été tué par son frère jusqu'au dernier homme de l'histoire. Et les prisons et les camps de concentration, et je dirais même les abattoirs à bestiaux, la vie végétale, la vie humaine, la vie biologique, la vie animale, s'est engouffré dans cet entonnoir. C'est horrible, horrible, horrible. Moi, je n'arrive pas à avaler tout ça. C'est pour ça que le Christ a pu crier, dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, jusqu'à mourir. Le raz-de-marée qui s'est engouffré dans son cœur, C'était tout ça, c'était tous les hurlements que nous pouvons entendre dans les prisons et les camps et les hôpitaux et les lits de malades. Voilà, d'une certaine manière, en tant que chef de l'humanité, le Christ
à assumer toutes les souffrances de l'humanité. Et donc le Christ, non seulement sera en agonie jusqu'à la fin du monde, mais il l'est depuis le début du monde. Et quand moi, dans mon lit, ou dans ma chambre, ou dans mon cœur, je souffre, je sais qu'il est là. Il vit ma souffrance, il souffre ma souffrance, il comprend ma souffrance. Et voilà, je dis ça parce que je le vis. Merci, Père Boulat. Christophe, à vous la parole. Je vais vous demander d'activer votre micro. Oui, bonjour, Père Boulat. Est-ce que vous m'entendez bien? Pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, allô? Oui. Oui, donc j'ai une question. C'est comment peut-on distinguer une situation difficile que Dieu souhaite que nous traversions et à laquelle offrir notre souffrance comme une croix de celle dans laquelle Dieu ne souhaite pas que nous souffrions, pour laquelle on devrait prier pour la guérison, pour le miracle. Je ne sais pas si j'étais clair. Oui, c'est-à-dire que le Christ lui-même a demandé à son Père d'écarter de lui ce calice. Il n'a pas été exaucé. Et il arrive aussi dans notre vie que nous vivions une souffrance qui, pour des raisons que nous ignorons, est inévitable. Est inévitable, incontournable. À ce moment-là, il faut crier vers Dieu. Mais un peu comme le Christ l'a fait, il a dit, « Père, si c'est possible que cette coupe passe loin de moi, si c'est possible, moi j'ai le droit aussi de crier comme le Christ, si c'est possible, non à ça, non, je ne veux pas, je ne peux pas. » Et il me dit, je ne sais pas, Dieu, d'une certaine manière, quelquefois, impuissant. Vous allez me dire, Dieu est impuissant. C'est un mystère. Il me dit, bon, accepte, assume. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. En général, c'est plus tard qu'on comprend. C'est a posteriori qu'on comprend. Sur le moment même, on ne comprend pas. On est dans le trou, on est dans le noir. Et ce moment-là, c'est la foi toute nue, la foi obscure, pas la foi claire et qui illumine. On est dans le tunnel. On ne voit pas la fin du tunnel, mais on sait. La foi ne consiste pas à voir, mais à croire. Et alors là, la différence, c'est qu'il y a des souffrances qui ont un sens pour nous et d'autres qui n'en ont pas. Et même celles qui n'ont pas de sens, il faut leur dire, il faut se dire que puisqu'elle est là, elle doit avoir un sens. Je fais confiance au chirurgien qui m'opère, il me fait souffrir. Mais je sais que ce qu'il est en train de faire a un sens. C'est pour mon bien. Je ne vois pas, je ne comprends pas, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, merci Père Boulan. J'ai reçu aussi une question dans le chat qui dit, qui touche un peu à ce que vous venez de dire.
Une personne qui dit, j'ai toujours eu l'impression que Jésus savait comment il allait mourir avant. Avait-il espoir que Dieu allait intervenir, d'où son sentiment d'abandon? Je ne pense pas qu'il ait imaginé ou senti que son père allait intervenir à la dernière moment, au dernier moment. C'est un peu la tentation de ce soldat romain au pied de la croix qui dit « Si tu es le Fils de Dieu, mais descends de la croix !» Je pense que c'est un peu la dernière tentation de Scorsese, le réalisateur du film. Non, ce n'est pas celle-ci. Enfin, peu importe. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et une provocation. Jésus n'a pas compris pourquoi il fallait mourir. Il savait qu'il fallait, mais il ne comprenait pas. C'était peut-être une souffrance. Il croyait, mais il ne comprenait pas. Et c'est peut-être une des plus grandes souffrances, c'est de ne pas comprendre pourquoi on souffre. C'est la souffrance dans l'obscurité, dans la ténèbre, dans la nuit. J'ai une homélie qui a recueilli le plus grand nombre de visionnements, qui a pour titre « La foi commence quand Dieu ne répond pas ». Vous la trouverez dans YouTube. « La foi commence quand Dieu ne répond pas ». C'est ça. S'il répond, ou si je comprends, ce n'est pas la foi. Alors, si on voit, c'est une immense consolation de savoir que où est-ce qu'on va. Mais si tu ne comprends pas et que Dieu te dit, je te tiens par la main, laisse-toi guider. Mais où allons-nous? Laisse-toi faire. Je sais. Fais-moi confiance. Il y a la foi qui voit et la foi qui ne voit pas. La foi qui ne voit pas est plus difficile. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, Raouf, on peut passer à toi. Oui. Bonjour. Allez-y, Raouf, vous pouvez activer votre micro. Oui. Père Boulad, comment se fait-il que dans les religions, c'est juste Jésus qui parle de souffrance nécessaire, de don de soi, et d'ailleurs même les prophètes qui sont venus avant lui, qui ont prévu, en tous les cas dans la religion juive, on ne parlait pas d'amour, de souffrance, de don de soi, de résurrection. Comment vous expliquez ça? D'abord, avant de passer à la religion juive, je parlerai du bouddhisme. Le Bouddha a fait la découverte de son chemin de libération à partir de la souffrance. La naissance est souffrance, la vie est souffrance, la mort est souffrance. La souffrance est au cœur même de la découverte du Bouddha et de son chemin d'illumination. D'une certaine manière, Bouddha, qui était il s'appelait Sakyamuni avant d'être Bouddha, Bouddha ça veut dire l'illuminé, il vivait dans un palais avec toutes sortes de plaisirs. Il a tout quitté pour se faire mendiant et pauvre, parce qu'il a découvert le chemin de la souffrance. Et il a dit, tout est souffrance. Donc,
On le trouve dans ça dans le bouddhisme de façon très claire, mais dans le judaïsme, il y a une évolution où au départ, tout est donné dans cette vie, il n'y a pas de résurrection. Ce n'est que tardivement, vers le premier siècle avant Jésus-Christ, à peu près, que le judaïsme tardif a découvert la notion de résurrection qui était tenue par les pharisiens ou les sadducéens, je ne me rappelle plus. Les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection, je crois. En d'autres termes, la résurrection comme l'autre face de la mort est une notion tardive dans le judaïsme. Et sans doute, sous l'influence grecque ou égyptienne, il y a eu des influences étrangères au judaïsme qui ont influencé les croyances juives tardives des derniers siècles. Par exemple, le livre des Maccabées, qui est un livre juif, évidemment, premier siècle avant Jésus-Christ, parle clairement de la résurrection. Alors qu'avant ça, non, il était question du Sheol, c'est-à-dire du séjour des morts. Mais il faut accepter qu'il y ait dans les religions une évolution, même dans le judaïsme, même dans le christianisme. L'évolution, ça veut dire une prise de conscience progressive d'une réalité qu'on ne comprenait pas au départ, qui était encore mystérieuse et obscure, et qui se révèle. D'ailleurs, le mot révèle, révélare, ôter le voile, cache à fois. Signifie que la réalité est là, mais elle est voilée. Et to remove the veil, comme on dit en anglais, c'est là, c'est révélation qui fait qu'on voit ce qui était caché. En arabe, on dit roya. L'Apocalypse a la même origine. Apo, calypsos. Calypsos, c'est couvert, caché. Et apo, c'est ab, retirer ce qui couvre. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il reste comme temps. Mais je pense que... Oui. Merci Raouf, j'espère que ça a répondu à votre question. Oui. Parfait, merci. Donc, c'est tout le temps qui nous reste, mesdames et messieurs. Ceci conclut la période de questions. Merci encore une fois de votre participation. J'aimerais donner, pour terminer cette rencontre, j'aimerais donner la parole au Père Boulad pour le mot de la fin et sa bénédiction. Le mot de la fin, c'est espérer contre toute espérance. Dans un monde porté au désespoir, au pessimisme, soyons des porteurs d'espérance. Le monde débouche dans la lumière, et le vendredi saint débouche dans la fête de Pâques. Que le Dieu de puissant et miséricordieux nous bénisse et nous garde dans son amour et sa grâce, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci Antoine, et merci Abir, et merci tous les autres, Robert et Rami, évidemment, qui est notre maestro. Merci, Père Boulad. Mesdames et messieurs,
Ceci conclut notre conférence. Merci encore une fois pour votre participation. La prochaine conférence se tiendra le samedi 6 mai. N'oubliez pas de visiter notre site web Les Amis du Père Boulade pour accéder à l'infolettre, la vente de bijoux ainsi que les retraites en ligne. Si jamais vous aimeriez vous joindre à l'un de nos deux groupes de partage, vous pouvez simplement nous contacter par courriel sur Henri Boulade Online, un seul mot, @gmail.com. Le recueil des pensées, La quête du sens, est toujours disponible. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Michel Macram, mmacram@videotron.ca. Finalement, n'oubliez pas que le colloque des chrétiens du Moyen-Orient se tiendra le samedi 29 avril au centre Melkit à Montréal, au 10 025 boulevard L'Acadie à Montréal. Donc, merci encore une fois et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci, Père Boulard. Avant qu'on active tous les micros, j'aimerais simplement donner la parole à Raouf Ayas, docteur Ayas, un grand ami à nous, qui va nous parler un peu de la conférence du colloque des chrétiens du Moyen-Orient. Raouf, c'est à vous la parole. Le Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient, c'est un groupe de chrétiens qui vivent ici à Montréal et c'est un comité de réflexion. Nous sommes intéressés à regrouper ceux qui pensent comme nous pour montrer qu'il y a du monde qui croit encore et parce que nous avons un témoignage à donner. Alors, nous nous intéressons aux problèmes de société québécoise, puisque nous vivons dans cette société, nous communions avec, et nos enfants vont vivre ici et être influencés par tous les sujets qui intéressent cette société. Alors, le rassemblement tiendra un colloque samedi le 29 avril, de 2h l'après-midi jusqu'à 6h, donc pendant 4h. Une première conférence sera donnée par M. Sami Aoun. Le titre « Le religieux en Occident, entre retrait et retour, comprendre le malaise ». Vous connaissez, beaucoup de monde connaît Sami Aoun, un grand conférencier connu ici au Québec. Et la seconde conférence sera donnée par Madame Sabrina Di Matteo. Aussi, elle parle souvent à la radio, elle écrit dans Présence Info, elle est très active dans le milieu. Le titre de sa conférence sera « Notre avenir, défis et réalité, crise et espoir pour le christianisme au Québec ». Il y aura ensuite deux ateliers où nous pourrons discuter de ce qui sera dit durant ces conférences. Et le mot de la fin sera donné à Monseigneur Mila Deljaouich, qui est l'évêque grec melkite catholique à Montréal, au Canada. Et il parlera des perspectives d'avenir. Ceux qui désirent s'inscrire peuvent écrire un petit mot à rcmo.info avec S à commercial gmail.com. rcmo.info avec S à commercial gmail.com. Ou bien me contacter ou contacter Rami ou Abir. Alors, merci Rami, Abir, merci Abouna Boulad. Merci, docteur Ayas. Donc, je vous rappelle, le samedi 29 avril, c'est un rendez-vous à ne pas manquer.
Nous allons maintenant faire les salutations finales. Donc, nous allons débloquer les caméras et micros pour que vous puissiez saluer Père Boulade. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Père Boulade. Vous nous aidez à rentrer dans la Sainte. Ça va bien? Merci. Merci, Christiane. Merci beaucoup, Père Boulade. On vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de paix, de foi. Vous gardez à nous et que vous nous guidiez toujours. Merci, oncle Henri. C'était très bien la conférence. Tiens. Guigo et Marisa. Oui, on vous salue, on vous embrasse. Tu nous manques beaucoup, oncle Henri. Il paraît que je vous ai fait rigoler ces derniers jours. Oh oui, beaucoup, beaucoup. Toujours. Karine. Portez-vous bien. Bonne. Chérine. C'est bon de vous entendre. Bonjour, c'est bien de vous entendre, Abuna. Oui. Merci. Guylaine, finalement. Mais oui, je suis là. Merci beaucoup. Je suis là aussi. Joyeuse Pâque, Abuna. Bonjour, Fayot. Oui, bonjour tout le monde. Yann, Yann, Kim. Bravo. Oui, oui. Élise, avec les cheveux longs. Bonjour, bonjour. Vous avez des gens des quatre coins du monde, Abuna. Ah oui, des quatre coins du monde. Super. Ah, oui. Oh, quelle joie. Valérie, Valérie. Eh. Ah là là, eh. Ça fait Père longtemps. Boulard. Un petit bonjour de Belgique. Carine, oui. De Belgique. Bon. Oui, oui. Ah là là. Claude. Claude. Il y a M. Nabil qui essaye de parler, mais son micro son est son micro fermé, est, oui. Est fermé. Ouais. Ouais. Nachat. Bonjour, Nachat. Bonjour, Père Boulat. Bonjour. C'est Nabil Faouzi. Comment ça va? Je vous souhaite une bonne, une joyeuse Pâque et merci de vous avoir connu. Vous avez été illuminé toutes les phases de ma vie. Merci beaucoup et je ne sais pas comment remercier une personne aussi généreuse que vous et je vous souhaite une santé, une longue vie, Père Boulat. Merci beaucoup, Nabil. Voilà, merci. Voilà. Merci, Nabil. Merci. Vous souhaite tous. Merci beaucoup, Père Boulard. Ça super. Question, Père Boulard. Est-ce qu'en Égypte, vous fêtez la Pâque le 9 avril ou c'est une semaine après? Non, c'est le 16. C'est le 16, donc orthodoxe et Oui. Père Boulard, il y a une dangereuse question pour vous, encore une fois. Je suis Marcella. Une question dangereuse pour vous, encore une oui. fois. Oui. Merci pour votre conférence, c'est magnifique, toujours. Après, j'imagine que San Ignace de Loyola, c'est votre préféré son. Non. Oui? Non. Non. Pardon, mais qui est votre son préféré? Non, qui est votre saint préféré? Mon saint préféré, c'est François d'Assise. Oh oui, François d'Assise. Oui, j'ai beaucoup d'estime pour Ignace de Loyola,
qui m'a fait tomber dans son piège. Enfin. Pouvez-vous me dire pourquoi François d'Assise? Parce que je voudrais lire toutes les choses que vous lisez, mais ça c'est impossible pour moi. Mais, et je voudrais savoir votre éducation un peu. Moi, j'ai des tendances philosophiques et j'ai besoin d'une nourriture pour l'esprit et l'intelligence en même temps que... Alors, mon saint préféré, si vous voulez, c'est non seulement François d'Assise, mais c'est le curé d'Ars. Le curé d'Ars, voilà! Le curé d'Ars. Voilà, exact. C'est pour moi, c'est lui qui a illuminé ma vocation. J'étais fasciné par Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars. J'ai pleuré en lisant sa vie quand j'avais 16 ans. Et j'étais émerveillé en admiration devant François d'Assise. Et je voulais me faire franciscain. Il a fallu de quelques heures avant que je change d'avis. Je sais pas si j'ai bien fait. Enfin, c'est un peu tard maintenant pour changer d'avis. Vous êtes jésuite. Vous êtes jésuite. Je suis jésuite pour le meilleur et pour le pire. C'est comme les mariages. Pourquoi est-ce que vous êtes François d'Assise? C'est les animaux? Je ne sais pas. Les animaux, la nature, la pauvreté. Le sacrifice, la joie. Mais comme philosophe, vous aimez Teilhard de Chardin, Père Boulat. Oui, j'ai trois philosophes que j'ai beaucoup, beaucoup aimés, qui m'ont beaucoup marqué. Nietzsche. Pascal. Teilhard de Chardin. Hello. Et Simone de Weil. Simone Weil est dans une moindre mesure. Simone Weil, pas la femme politique. Claude, fais-toi mute. Il y a aussi deux autres philosophes qui m'ont marqué. Jean Guiton et Antoine de Saint-Exupéry, qui n'est pas un philosophe, qui est un humaniste, qui m'a beaucoup marqué. Et de façon, beaucoup d'autres, mais je ne peux pas les énumérer ici. Ça prendrait trop de temps. Est-ce que je peux faire une autre question? Oui, vous pouvez poser une autre question. Mais chaque question, c'est 10 dollars. Chaque question, c'est 10 dollars. Et des dollars américains, pas canadiens, attention. Des euros, ben, bon, des euros. Et des euros, si vous voulez. Oui, allez-y. Je ne sais pas si le faire ou non pas. Avez-vous
quelques jours dans votre vie avant, j'imagine ça, avant de vous faire Père Boulat. Aimer une femme? Très bonne question. Désolé, mais c'est ça. Très bonne question. C'est sur YouTube. Hein. Très bonne question. Ah là là, là. Ces femmes. Il faut d'abord dire que j'aime les femmes en général, et chacune en particulier. Père Boulat, c'est Claude. Nous avons ici l'abbé Jean-Clotel Bocot qui veut vous dire un bonjour. Ah oui! Bonjour, Père Boulat. Bonjour. Comment allez-vous? Mais ça va bien, vive l'Afrique. Oui, on s'est rencontrés ici deux fois lors de vos séances. Ah, d'accord. À Saint-Laurent. Oui. Oui, merci. Laissez-moi répondre, bon, je vais répondre. Il me pose des questions pièges. Ok. La femme est le chef-d'œuvre de Dieu. La femme est le chef-d'œuvre de Dieu. C'est quelque chose d'infini, d'insondable. La femme, dans toute sa complexité, sa richesse, le problème, c'est qu'elle ne se comprend pas elle-même. C'est pour ça que personne ne peut la comprendre. Expliquez-la nous, alors. Expliquez-la. J'ai quand même un livre de 400 pages sur la femme en allemand. Il fallait que ce soit en allemand. En allemand et 400 pages. Et les Allemandes ou Autrichiennes qui ont lu le livre m'ont dit, Père Boulat, vous nous avez compris plus que nous nous comprenons nous-mêmes. Je me suis dit, alors là, ça apprécie. Ça prend une traduction et un résumé. Oui. D'ailleurs, l'original, c'est en français. Mais ça a été construit par une dame qui publiait tous mes livres et qui a traduit elle a fait une espèce de patchwork, comme on dit, avec tout ce que j'ai pu dire sur la femme. Et on a fait 8 chapitres. Il faudrait que quelqu'un me scanne tous ces livres-là, parce que c'est une dame qui n'aime pas tout ce qui est informatique, ordinateur. Elle considère ça comme l'œuvre de Satan. C'est le diable pour elle. Tout ce qui est... Alors, si on m'envoie tout ça par scan, je retrouverai les textes originaux, je ferai la toilette du texte et je publierai ça en français. J'ai d'ailleurs mon ami Michel Macram qui est spécialisé dans ça. Il m'a publié La quête du sens, c'est formidable. Alors si on me scanne tout ça pour que je sache quels sont les textes originaux qui ont été traduits en allemand, ben, à ce moment-là, je m'y mettrai, oui, pourquoi pas. Comme j'ai encore 29 ans à vivre, donc par conséquent, j'ai le temps. Ça, c'est vrai. Merci. Merci. J'avais une petite question à vous poser.
pourquoi si les femmes, on est le chef-d'œuvre de Dieu, puis qu'on est si compliqué à comprendre? Parce qu'un chef-d'œuvre, c'est toujours compliqué à comprendre. Non, c'est... La femme, c'est le mystère. Et Dieu est le mystère. Et c'est comme ça. Okay. Bien, allez, on va vous laisser vous libérer de ma présence. C'était un plaisir, Abouna. Oui. Merci à vous tous et tous. Et bonne fête de Pâques. Merci, Père Boulade. Merci. Merci. Au revoir. À très bientôt. Bonne semaine, Sainte. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Santé, paix, joie et belle